par rapport à Yako Otojo vivre le monde. Toujours en avant. Voilà, c'est l'ambiance qui règne présentement à l'aéroport de Kolwezi. Les sénateurs à vie, Joseph Kabila, va descendre d'un moment à l'autre. Voilà, parce qu'il a déjà pris son avion pour Kolwezi. La mobilisation est forte, comme vous pouvez si bien le voir. Voilà. Le chef de la province est également sur place. Kolwezi veut vraiment honorer le sénateur à vie, Joseph Kabila, vous l'avez entendu, par la bouche de l'autorité, le gouverneur Richard Mouyez Manguez-Mans. Vous pouvez voir l'ambiance qui règne actuellement. Voilà pour accueillir le raïs. Oui, papa. Merci beaucoup.
l'avion va atterrir. Bonjour, bonjour Madame le maire de la ville. Ça va bien, merci. Bonjour Monsieur le bourgmestre. Bonjour. Oui, là on est en direct sur Facebook. Voilà, vous êtes là pour accueillir l'autorité morale du FCC, les sénateurs à vie Joseph Kabila, Madame le maire. Votre mot, s'il vous plaît, pour les internautes qui nous suivent en ce net moment. Bon, la ville a déjà été en train d'accueillir le président Honoré. Et en tant que maire de la ville, nous pouvons vous souhaiter la bienvenue. Pour voir comment est-ce que l'organisation de ceux-là qui sont à l'accueil nous font. Et demander à la population de rester calme. Comme je le dis toujours, pour rester à Kasi. Et voilà, monsieur le bourgmestre a un mot à dire. C'est la joie. Oui, c'est la joie. Le bourgmestre de Manica. Bon, comme j'ai dit, c'est une joie. Voilà. Madame le maire l'a dit, c'est une joie. Aujourd'hui, la ville de Kolwezi est en train d'accueillir notre leader, voilà. Du FCC. C'est dans sa ville, parce que c'est thématif de la ville de Kolwezi. Vous avez vu quand même la population. Il est venu à l'aéroport à partir de 6h du matin. Il était déjà prêt pour accueillir le sénateur à vie, le Raïs Joseph Kabila. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Tous les Kabilistes, là on est en direct sur Internet. Voilà. Vous pouvez dire un mot aujourd'hui pour ceux-là qui nous suivent. Vous êtes là pour accueillir le président du PPRD, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Une forte mobilisation. Votre impression? Oui, nous sommes contents parce qu'aujourd'hui, il était question que nous puissions accueillir notre président national. À la personne de Joseph Kabila, nous l'attendons. Il va venir, nous devons l'accueillir. Très bien. Voilà, comme je vous disais, la mobilisation est très forte. Ils sont tous là, le décor est très, très, très planté. Voilà. Ce sont les autorités de la ville de Kolwezi qui s'expriment. Voilà, bonjour, bonjour monsieur le bourgmestre. Voilà, l'ambiance est très 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 électrique et on vous voit également là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça, à tout ce qui se passe aujourd'hui où on attend à l'arrivée du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. L'autorité morale du FCC. Nous, nous sommes FCC et nous devons soutenir le sénateur. Nous sommes là pour l'accueillir dans la forêt de l'Ontario. Nous sommes en train de suivre le cours de l'histoire, les déroulements de l'histoire, mais nous sommes confiants à l'avenir. Très bien, merci beaucoup. Voilà, on continue de vous faire vivre l'ambiance. Dans quelques heures, l'autorité morale du FCC va bien sûr atterrir. Voilà. Thank you.
Monsieur Yannick Tissola, bonjour. Bonjour. Voilà, là on est en direct, c'est avec les internautes. Ils sont en train de vivre en direct l'arrivée de Joseph Kabila Kabange ici à Kolwezi. L'ambiance est tellement électrique, rien à dire. Vous êtes également là, kabiliste de sang. Qu'est-ce que vous dites aux internautes aujourd'hui pour l'arrivée de Joseph Kabila à Kolwezi? Joseph Kabila, c'est le père de la démocratie. Et pour nous, là-bas, nous venons l'accueillir parce qu'il nous a doté d'un code minier qui fait aujourd'hui dans notre province une province pilote. Vous savez que grâce aux redevances minières, le Lualaba a fait des bons dans le développement et voilà pourquoi nous venons lui témoigner cette reconnaissance. Nous voulons aussi l'accueillir parce que c'est un fils du terroir. Joseph Kabila est fils du Lualaba et donc il a rendu des bons et loyaux services comme l'avait fait Tchombé, comme l'avait fait Laurent Désiré Kabila. Donc le Lualaba n'a pas que des ressources minérales, le Lualaba a aussi des ressources humaines. J'ai parlé de Tchombé qui avait réunifié le Congo qui a organisé les premières élections générales. Je parlais de Laurent Désiré Kabila qui a libéré de ce pays. Et Joseph Kabila a aligné trois scrutins, il a réunifié ce pays, il a réconcilié ce pays. Et donc nous sommes venus accueillir notre fils. Merci, merci beaucoup à vous. Donc voilà. Il n'y a rien à dire, le sénateur à vie va donc descendre bientôt. Voilà. Madame Lydia Kapopa, elle est là. Elle, c'est la chef de la jeunesse. Voilà, c'est elle qui s'occupe de toute la jeunesse de la province du Lualaba. On vous voit également là, les décors sont très plantés. Là, vous êtes en direct sur Facebook. Les internautes veulent vous entendre parce qu'on est en train de leur faire vivre en direct cet événement. Qu'est-ce que vous nous dites et qu'est-ce que vous dites aux internautes qui nous suivent en direct en ces nets moments? Merci Madame Mira. Mira Mouma, la terrible de la communication, comme je l'appelle. Merci. C'est une dame forte, une dame qui sait se donner professionnellement et nous aimons ça. Et pour moi, c'est une fierté d'abord pour l'encourager aujourd'hui parce que nous aimons aujourd'hui que les femmes puissent nous représenter valablement. Félicitations Mira. Merci beaucoup. Alors pour nous, c'est une grande joie immense. Je dirais que c'est plus que même la joie parce qu'aujourd'hui, le fils, le digne fils du pays, le Raïs, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, va fouler le sol dans la province du Lualaba. Ce n'est pas juste le simple plaisir de l'appeler la province pilote. Et aujourd'hui, nous réalisons qu'elle n'est pas juste le seul slogan, comme je le disais, et le Raïs va fouler ses portes dans notre province. Pour nous, c'est une grande joie. Il a sacrifié sa jeunesse, le père de la démocratie. C'est lui le père de l'alternance et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre, la patronne de la jeunesse. Merci Mira. Voilà. Merci à vous qui nous suivez en direct, bien sûr. On va arrêter ce direct et puis on va reprendre quand le sénateur à vie va descendre. Et c'est dans quelques minutes. Ne quittez pas.